Ok. Alors, hier après le live, j'ai regardé en fait ce que je pouvais augmenter. Et j'ai trouvé un truc sympa. J'ai testé en fait, j'ai sauvegardé, j'ai acheté des trucs, je les ai craftés, j'ai testé, etc. Puis après j'ai rechargé la partie pour pas perdre les perles de la colère. J'ai décidé de prendre ça. Talisman de protection doré plus. Donc en fait, en gros, quand je me fais taper, j'ai juste besoin de faire L1 et ça me remet sur les pieds. Et ça fait un flash, ça repousse les ennemis en fait qui sont en train de me taper. Donc je peux pas me faire stunlock, donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Après, on peut mettre 3 pierres. Avant, j'avais un truc pour 2 pierres. Bon, maintenant j'ai 3 pierres, donc c'est pas mal ça aussi. Ça permet d'avoir des stats en plus. Force et défense, c'est bien. Donc j'ai changé ça. Et j'ai changé l'arme aussi, le pommeau. Je l'ai augmenté à fond. Alors celui-là, je l'ai utilisé pendant très très longtemps. C'était donc le pommeau enflammé. Quand on tape, en fait, on a une chance d'augmenter la force et de récupérer de la vie. Restaure un peu de santé. Et après, je l'ai changé pour la brume. Je crois que je l'ai toujours le feu, non? Non, apparemment non. Non, j'ai dû le vendre, j'ai dû le vendre. Et après, je l'ai changé pour la brume. La brume étant mieux, mais c'est pas du rouge, c'est pas du NG+, donc j'ai changé quand même. Donc voilà, maintenant on va utiliser ça. Donc force et rune, c'est bien. Et du coup, on va récupérer un bonus de force et tout ça. En gros, comment ça se traduit? Bon, bah ça se traduit par le fait qu'on a plus de niveaux, on est niveau 10 et nos stats sont un peu plus élevés qu'avant. Mais normalement, on va avoir moins de régène de vie. Voilà, on va avoir moins de régène de vie et de protection qu'avant. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. Ça risque de mal se passer et on pourrait peut-être retourner comme avant. On va voir. Mais voilà. Pour le moment, c'est comme ça qu'on va faire. En tout cas, c'est ce qu'on va tester. Salut Dark, bienvenue. Donc on va tester cette panoplie d'armes et de talismans. Puis après, bon, on voit si ça se passe bien ou pas. On va faire un peu du secondaire encore. Ah, quoique, on pourrait aller là. Qu'est-ce qu'on Frère, fait? le burin. Frère, le burin. Je crois que si je commence cette partie de l'aventure, je me rappelle plus trop, hein, mais si je commence après. On va récupérer la rune. Atreus va tomber malade. Ouais, on n'a qu'à le faire, on n'a qu'à commencer à faire ça. Allez, go. Frère, le burin. Là. T'as déjà bien avancé. On avance très vite. On avance très vite comparé à la toute première fois. J'arrive pas à croire qu'on entre dans le tombeau de tir. Parce qu'on. On meurt pas. On meurt pas. Donc ça va. Après, j'ai remarqué aussi pour tout ce qui est armure NG+, là. Alors. Ah ouais, mais faudrait être un des nains pour montrer. Ouais, faudrait être un des nains. En gros, il y a un nouveau système où c'est que il faut par exemple crafter un talisman ou un morceau d'armure, l'augmenter au maximum. Donc déjà, ça prend beaucoup de ressources hein, pour augmenter les choses au maximum en NG+. Et après, avec ça, tu peux crafter autre chose. Tu peux crafter un enchantement à un des nains. Et l'enchantement, après, tu peux le mettre sur l'équipement. Et c'est un enchantement de fou, apparemment.
Donc ça va être intéressant. Mais on verra ça après. C'est Tyr. Mais il manque le panneau central. Une minute. Je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai. Mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Le morveux sera malade dans les enfers glacés prochain, c'est ça. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour pour une fois. Atreus. Allez, tu me parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent des choses différentes. Des dieux, des animaux... Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé. Non, c'est pas ça. Ah ! Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Ah ah. Comme une odeur de... de pluie. Tu as tout gâché. J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Non. Oh, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. Tais-toi! Sérieux? De ma mère? Oh, c'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Ooh. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oups, j'y suis allé un peu fort. Eh, c'est parti. On va lui casser la gueule. Recule. C'est pas fini. Ah bah c'est maintenant, apparemment. Garçon. Atreus. Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. Je pensais que c'était après. En fait, non. Bon, bah on est parti pour Helheim. Enfin, Freya d'abord et après Helheim. Ah, il faut récupérer les dagues aussi. Enfin. Il faut récupérer les dagues qu'on a déjà. Prends le bateau. Freya n'est pas loin. J'aime bien comme le... genre on se concentre seulement sur le fait que Atreus va mal et tout ça, mais quand on regarde tout autour... genre tout l'univers est devenu... tout le monde est devenu très sombre en fait. C'est super bien fait ces détails. T'as à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des mots physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais... un dieu qui se croit mortel, ça me surprendrait guère. Nous y sommes presque.
L'effet Ragnarok. Non, l'effet Ragnarok, on l'a à la fin du jeu. Hein. Genre avec... l'hiver qui en finit plus, là. Ça aussi, c'est pas mal, hein, en détail. Il est super bien détaillé, le jeu. Quand on le refait. Quand on regarde. Genre Kratos qui peut pas rester en place parce qu'il est... Il est inquiet. La fièvre le consume. Et il tremble. C'est grave. Nous devons faire vite. De toi. Bon sang, est-ce que tu m'entends? C'est très urgent. Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade. Freya. Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. C'est ma faute. Tu vas m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Pas celui-là. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Déterrer un passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Oh, je suis mignon. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris? Atreus. Heimle, tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Pars. On va regarder si ces cinématiques, parce qu'elles sont cool, je les aime bien. Freya. Lors de ma dernière visite, je... Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Et dire qu'après elle va nous détester à mort, c'est abusé. Ça doit tellement la rendre folle qu'elle nous ait aidés. Et qu'elle ait sauvé Atreus. Il fallait et tout que ça. Ce soit Helheim. Tout va bien, frère? J'ai une tâche à accomplir. Ne m'interromps pas. J'adore ce passage. Thank you.
En plus, c'est intéressant de se dire que... on va apporter des armes qui sont inconnues dans leur royaume. Genre les lames du chaos, elles viennent pas de cette de ces terres, elles viennent d'autre part. C'est... j'aime bien. Enfin voilà, elles sont là quoi. Ah ah. J'ai obtenu Fina. Ah, c'est pas mal ça, Orion. Ça va t'aider. Allez, on va déterrer notre passé. Encore. C'est parti. Ah, on n'a pas la cinématique. Ça m'étonnerait qu'il... je me rappelle plus s'il y a des ennemis au début en fait, avant de récupérer... avant de récupérer les dagues. Lames, elles sont... waouh, elles sont jolies les lames quand elles sont pleines de feu. Allez, c'est parti. La classe.
Ils ont disparu de mon dos. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité, ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas, un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Trop stylé! Oh putain! Voyons de quoi ces lames sont capables. Elles peuvent déchaîner les enfers. Belle la chorégraphie, non? Pas fini. Oui, ces lames te seront utiles à Helheim. Il doit y avoir une porte vers le monde entre les royaumes, en plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Helheim. C'était beau quand même, hein. J'ai dit ça refaire le genre NG+, mais c'est pas trop la différence par rapport à NG. Et ouais, ennemis plus forts, nouvelles armures, nouveaux talismans, nouveaux enchantements. Nouvelles armures, nouveaux skins, ouais. Il y a des armures uniques. Genre celle que j'ai, c'est une armure unique. Avec des habilités uniques aussi. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier?
Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Grec. Pour le moment, il y a deux sets d'armure qui sont uniques. Enfin, que j'ai débloqué hein, pour le moment. Il y en a peut-être plus. Hein. L'armure de God of War et l'armure de d'Arès. Hé, hey, tu pues la magie d'un autre monde! Par les saints de Nana, qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne le sera jamais. Ouh. Écoute. Mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames. Elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur. On doit tous prendre nos responsabilités, parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Ils sont gentils, ces nains, en fait. Ils sont cons, mais... enfin, ils sont chiants, plutôt. Ils sont pas quoi, ils sont chiants. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au royaume des morts. Helheim? Merde, c'est du sérieux! Alors, peut-être qu'on a débloqué... Je vais garder un œil. Ok, on a débloqué ça. Enfin, ça, on connaissait... T'en fais pas, les gosses sont costauds. À son âge, je me suis coupé la tête propre et nette. Non, je on peut pas. Pas plus mal. On peut toujours pas fabriquer de pommeau pour les. Pour les dagues. Les dagues. Ouais, je parlais de ça. Alors, attendez. C'est ton talisman. Je l'avais vu hier. Ouais, non, c'est ça. Genre marque parfaite de protection plus marque parfaite de vagabond plus. Il faut déjà... En fait, il faut récupérer le blastron, le gantelet, la ceinture de vagabond plus. Les améliore au maximum, donc ça fait 3 niveaux à chaque fois. Donc il faut utiliser des perles de colère. C'est rare, quoi. Et après, une fois qu'on a ces 3 là, on en fait une marque parfaite. Donc c'est un enchantement. Un enchantement parfait qui régénère. En gros, ça donne. Enfin, c'est intéressant parce que. On prend l'armure, donc les spécifications de l'armure. Donc, par exemple, genre vagabond. Régénère progressivement une barrière protectrice. Bref, qui absorbe une seule attaque. J'arrive plus à parler. Et en fait, on en fait un enchantement qu'on pourra utiliser sur n'importe quelle armure. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un peu abusé même. Donc un truc aussi puissant, je suis en train de me dire que peut-être les monstres vont être de très très haut niveau, vers la fin. Ils vont vraiment être très puissants vers la fin. Maintenant que Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. Enfin c'est cool. Mais bon, ça prend énormément de perles de colère là, c'est un peu abusé quand même. A chaque fois c'est genre une vingtaine pour la crafter, puis après pour les améliorer c'est aussi une vingtaine je crois. Ou une dizaine. Voilà, c'est fait. On y va vraiment alors. Pour reparler de Thor et Odin vite fait, moi j'aime bien, parce que maintenant, enfin tout le monde, même les gens qui sont pas, comment dire, qui se foutent un peu des histoires grecques, des histoires, tout ça, des dieux et machin et tout,
Maintenant, tout le monde plus ou moins connaît Thor, Odin, grâce au Marvel, quoi. Mais ça les portrait en tant que personnages sympas, héros. Je garderai un œil sur toi. Gentil. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est pure folie. Même Odin peut survivre à ce froid. Alors que les lames ont intérêt à fonctionner. Alors que dans God of War, c'est plutôt des monstres. Enfin, c'est des dieux, quoi. La plupart du temps, les dieux. Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait ? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Helheim. Le gardien qui en garde l'entrée, c'est lui que tu cherches. Tu se trouves et tu tomberas nez à nez avec lui. Ben voilà. Tu sais, j'espérais vraiment ne jamais revoir cette maison. Et bon. J'ai l'habitude de faire carré pour faire tirer le gosse. Mais Atreus, il est pas avec nous. Le feu de tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. T'as vu ça ? Encore une bonne raison d'être allé chercher ces lames. Il y a un corbeau. Saloperie. C'est pour cela que God of War est sur la mythologie nordique. Genre parce qu'ils aiment pas Marvel. Ah, c'est ceux qui explosent, non? Normalement, je fais ça et hop. Ça me prend des HP ou pas quand ils me sautent dessus? Je me rappelle plus. Attrapez-moi! Ah ouais, ouais, ça m'enlève des HP. On va éviter alors. Tiens, un rocher spartiate. Un rocher spartiate dans ta gueule. Elle est pleine. Sans la Valkyrie pour faire le tri, la cité déborde. Enfin, de toute façon, quand on y pense... Odin... C'est Odin qui fout la merde dans le jeu. Hein. Genre, il a enfermé les Valkyries, machin. Les Valkyries sont corrompues. C'est le bordel. Hein. Elle a aimé plein. Gros bordel. Merde, bon, c'est pas grave. Ah oui, ça fait quoi ça? Je le fais jamais. Ooh. C'est bien, ça me force un peu à utiliser les lames, parce que je les utilise quasiment jamais.
fait merde. Non, Kratos, Kratos, qu'est-ce que tu fais, Kratos? Avance. Ah. Il y a du monde. Bonjour. Ça va? Ouais, en gros, ça les brûle directement avec, avec ça. Je suis ralenti, c'est horrible. Ça va niveau vie, on régène pas mal. Je sais pas exactement ce qui me régène, mais je crois que c'est surtout les pierres en fait. On régène moins naturellement. Les pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite? Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim. Mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. Oh. Ça fait vachement mal ces attaques là. Genre il faut juste attendre un peu et après taper. Ça augmente énormément aussi la, le feu des lames. C'est pas mal. Non, mais Kratos, je sais que t'aimes écraser les pierres, mais quand même, c'était pas ça. C'était pas ça. T'étais censé juste prendre l'objet. Pas écraser des pierres. Je cherche un peu les corbeaux, comme ça on n'a pas besoin d'y retourner. Ah ouais, tu veux jouer à ça, toi? T'as déjà vu des lames grecques? Dignement pour y aller, comme les guerriers qui tombent au combat. Helheim accueille ceux qui meurent dans le déshonneur. Les criminels. Oui, et ceux qui meurent de maladie, d'accident, de vieillesse.
C'est donc un déshonneur de vieillir. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose. C'est vrai que c'est débile, hein, quand il pense. C'est mieux de mourir au combat que de mourir de vieillesse. Voilà. Genre quand t'as les 80, 90 ans et que tu te sens pas bien et que tu penses que tu vas mourir, bah tu vas au combat. Ah! Tu vas au combat pour en finir. Si par malheur tu gagnes et que tu survis, bah merde, c'est con pour toi. À voir que tu continues à combattre. Tuant le gardien du pont, est-ce que je débarrasserai Midgard des morts? Je ne pense pas, non. Mais ça ne devrait pas aggraver les choses non plus. Ce sera un obstacle de moins à franchir pour les vivants qui souhaiteraient rejoindre le cercle intérieur des Lime. Mais qui serait assez fou pour s'y rendre? Nous, plus tard. Je pense que pour l'instant on a tous les corbeaux. On va aller faire la Valkyrie aussi. Ah, on peut pas. Ah, je crois non, on pourra pas. On peut pas la faire seule, la Valkyrie, je crois. Il va nous falloir. Ouais, on peut pas. Ce sera avec Atreus. Le pont des damnés. Et voilà le gardien. Il s'assure que les morts sont bien morts. Que tient-il? Ce totem contient une puissante source d'énergie magique. Le pouvoir même des Lime. Mais toi, c'est son cœur que tu veux. Prends-le et nous pourrons partir. Comment? Attire son attention, ça ne devrait pas être trop dur. Ce combat était pas mal chaud parce qu'il se téléporte et il invoque des mecs à chaque fois. On va voir si ça a changé. Oh la vache, le truc. Je crois qu'il nous a vu. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, carrément. On va faire ça. J'ai déjà pris un rocher grec. Oh la vache, les dégâts. Aussi.
Hop là, go. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ok. Ah, te téléporte pas. Ah bah. On en finit. Celui-là, il était un peu plus graphique de kill. Prends son cœur maintenant. Tu vas devoir te salir les mains. Cœur magique. Même mort. Non, je crois que mort sur le champ de bataille, ça compte. Pour le Valhalla. J'ai le cœur. C'est tout ce qu'il fallait. Oui, parfait. Mieux vaut ne pas traîner ici de toute façon, hein? Ah ah. Zeus. Zeus? Mon père. Zeus est ton père? Ça explique bien des choses. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? N'y va jamais. C'est compris? Que fait-il ici? C'est impossible. Ce n'est qu'une illusion. Elle est réputée pour torturer ses habitants avec leur propre passé. Trouvons plutôt un moyen de rejoindre ton fils. Attends, on vient de trouver une flamme du chaos ? Mais une flamme du chaos, c'est pour augmenter nos armes ? Et on a déjà nos armes au maximum, non ? On verra. On va voir. Ben, je me rappelle plus trop. Ouais, enfin, je sais plus trop si c'est ça ou pas. J'aurais dû lire la description au lieu de la zapper, comme je fais d'habitude. Ah oui, maintenant on peut faire les boules. Yeah, on a toutes les habilités, c'est cool. Chut. Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. On s'en passe. Vite, donne-moi tes lames.
Ce serait bizarre. Maintenant, tu peux capturer et libérer les vents de Hell quand ça te chante. Bon, je mets les voiles. Ne me remercie pas. Il fait un froid de canard ici. On se gèle les roustons. Je veux voir où est-ce qu'il se paraît. De me demander ce qui se passe dans sa tête. Ah, on l'a vu. Depuis trop longtemps. Il a juste disparu. J'aime bien les attaques au bouclier avec, avec les runes. Parce que ça protège à chaque fois Kratos en fait. Quand il charge. C'est vraiment utile. Bon, allez, on refait le. On refait ça. Bon. Ah merde. Je me rappelle plus comment. On récupère. Faut monter, non? Ouais, faut monter, je crois. Je suis pas méga fan de des vents là, de machin. Vent de L. Du gameplay. Enfin du petit mécanisme puzzle. Chiant. Ah ça y est, t'as les finis à niveau 60, c'est cool. Ok, là je crois qu'on a tout. On a tous les corbeaux. Non, il manque 3. Ok, on y va. Désolé, mais je suis encore sous le coup de ce que j'ai appris tout à l'heure. Zeus, c'était ton père. Pas maintenant. On doit trouver un moyen de quitter Helheim. Je suis entièrement d'accord. Je vais me contenter de méditer en silence sur cette information. Voilà. Maintenant, on va devoir s'amuser un peu avec les vents là, si je me rappelle bien. Oh oh. Par contre, lui, il fait très très mal.
Oh la vache. Ah, sans le gamin, c'est un peu plus dur, hein, de les combattre. En plus, j'utilise que les dagues, donc je récupère pas de vie. Attendez, on a. J'ai pas entendu un corbeau à la con. Alors, suivant, là. Ah, ça c'est bien ce combo. C'est bien. Quoi, boy? Oh. Et merde. Encore. Là-haut. Encore des bestioles. Bonjour. Oh la vache. Putain. Attendre que... Oh la vache. Mal joué. J'ai voulu faire défensif, mais j'ai trop fait défensif au final.
Ah putain, on est là. Oh la vache. Hey MLD. Ok. Oh, oh. Bah putain. Une technique pour avoir 3-4 Willem et Cloud rapidement, comme ça, ça pourrait mettre. Non. C'est de la chance. Oh putain. Ah, je l'ai pas eu. Non, faut attendre les bannières avec les pourcentages en plus pour les persos. Je pense pas qu'il pouvait faire plusieurs vagues comme ça avant. Je crois pas que ça existait ça. En tout cas. Une à droite, une à gauche. Ah, on va mettre là. Moi je m'étais fait chier à zapper celui-là, j'avais pas vu la toute première fois que j'avais fait. Voilà.
crois qu'on est bon. T'as réussi. Retourne vite voir ton fiston. On y va. Ne perdons pas de temps, frère. Retournons vite à Midgard avec le cœur. Ton père était Zeus. Je comprends mieux maintenant. Je me balance accroché à la hanche du fantôme de Sparte. Ne m'appelle pas comme ça. Détrompe-toi, frère. D'après ce que j'ai entendu, le Panthéon l'avait bien mérité. Mais je dois encore me faire à l'idée. Je sais que tu es les dieux, mais tu n'arrives pas à les éviter, on dirait. Je t'interdis d'en parler au garçon. Il ne doit pas savoir. Sauf mon respect, c'est une grave erreur. Il faut qu'il sache. Il ne pourra jamais s'épanouir s'il ne connaît pas la vérité. Écoute, je comprends. Tu es les dieux. Tous les dieux. Et cette haine s'applique même à toi. Mais elle est aussi dirigée contre ton fils, tu ne le vois pas. Et il le sent. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Mais il ne pourra pas non plus la comprendre tant que tu ne lui auras pas dit. Tout est lié. Tu ne lui diras rien. Très bien. Fantôme de Sparte. Entre les royaumes. Je l'ai amélioré. À moins que je l'ai cassé. Je suis pas sûr. Ah, yes. On en a besoin. Je sais. C'est pour ça que j'ai pris quelques rafales de ces vents de L et que je l'ai rendu bidirectionnel. Tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant. S'il n'est pas cassé. Dans ce cas, il peut nous mener chez Freya. Excellente idée, frère. Quelques ajustements à faire, mais ça devrait marcher. On peut se téléporter maintenant. Le fantôme de Sparte. C'est la classe quand même.